Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo à la cool, mais... Ah ben voilà, ouais, c'est un peu mieux. Il me semble. Arrête de bouger. Bon, bah alors comme je disais, petite vidéo à la cool, où je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer avec le meuble ici. Quand j'avais déjà fait une vidéo, je suis parti sur des Bond Ridge. J'avais déjà discuté avec plusieurs personnes sur le modèle que j'utilisais, je ne suis plus la référence. C'était une sortie pour trois entrées. Donc je les avais mis en cascade, je vous ferai un petit schéma, je vais vous le mettre là, de comment c'est branché. Je vais un peu changer ça, pourquoi? Parce que suite à une discussion avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver les bonnes ridges à ce moment et que les prix c'était quand même un peu déconné. C'est-à-dire que payer 50 euros pour avoir une sortie, trois entrées, ça fait un peu cher. Donc j'essaie de trouver une solution un petit peu plus économique et qui permette de faire plus de choses. Alors pourquoi aussi j'ai cherché ça? C'est parce que je suis sur un autre projet, je vais vous montrer ça en même temps. Donc un projet d'upscaler. Donc je suis en train de chercher une bonne solution pour pouvoir upscaler vos consoles sur des téléviseurs ou des écrans PC, que ce soit du LCD ou du CRT, donc du cathodique ou du plat. Donc je suis en train de chercher une bonne solution pour arriver à avoir une image proche de ça. Bon, vraiment ça, je pense pas, c'est un peu dérisoire de penser d'arriver au résultat d'un PVM. Mais j'ai un écran Sony Trinitron de PC avec un petit upscaler, je vais vous montrer là, qui a très très bon résultat. On est pas loin de ça. Donc ici, je commence par celui-là. Donc c'est le premier donc, que j'avais acheté. Ça c'était à la base, j'avais acheté ça, c'était pour une Naomi, pour pouvoir faire passer du 15K sur du 31K. Donc ce qu'il fait, lui, cet upscaler-là, c'est qu'il double les lignes. On rentre du 320 par 240 et on sort avec du 640 par 480. Donc il double les lignes, fait x2. Et il y a pas mal de réglages, il y a des petits menus, etc. Il y a un hack de ce upscaler-là pour arriver à avoir le résultat d'un autre upscaler que j'ai déjà. Donc je ne l'ai pas hacké, je l'ai laissé tel quel. J'ai fait un petit peu des tests, c'est pas mal. L'avantage, c'est que c'est vraiment pas cher. Je crois qu'au maximum, on est à 30 euros pour l'appareil. Sans alimentation, hein. C'est fourni sans alim. Ça fonctionne entre 5 et 12 volts, donc on est large au niveau de la tension. Il y a possibilité de brancher directement avec les connecteurs de PCB d'écran. Enfin, voilà, il y a différentes façons de l'alimenter. Il y a ici aussi avec un connecteur comme on retrouve dans les bornes. Donc, c'est vraiment à la limite prévue pour les bornes d'arcade. À la base, c'est vraiment prévu pour celui qui a du 15K qui veut faire passer sur du 31. Donc ça fonctionne. Je l'ai testé, ça fonctionne, mais c'est pas. Je vais pas mettre ça sur un Neo Geo, blasphème ça. Ça fonctionne. C'est pas le mieux de tous ceux que j'ai, mais en tout cas, c'est le plus abordable. Ensuite, ça c'est l'emballage de ça. J'ai acheté le RetroScaler 2X. Donc c'est un clone du RetroSync 2X, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment la copie. C'est bien d'AliExpress. Le prix est en train de grimper. C'est pour ça que je me dépêche de faire cette vidéo. Je sais qu'il y a la vidéo borne d'arcade. Il me reste vraiment plus rien, je veux dire, à part quelques soudures et finir de peindre la porte des crédits. Elle est finie. Donc, mais là, il fallait vraiment que je fasse cette vidéo vite fait parce que je remarque que les prix sont en train d'exploser. Donc, avant que ça ne soit trop haut, je me dis là, on est le 24, le samedi 24 juin. À l'heure actuelle, les prix, je vais vous donner à l'heure actuelle. C'est en train de grimper, je ne sais pas pourquoi. Donc, le Retro Scaler 2X, lui, c'est un doubleur de ligne aussi. Donc, il ne fait que ça, il double les lignes. Donc, pour passer du 320 par 240 en 640 par 480. Ça fonctionne très bien. Franchement, c'est du super matos. Je suis vraiment agréablement surpris de cet appareil. Il est hyper simple. Vous branchez, vous allumez, vous avez deux boutons là pour régler au niveau des filtres et au niveau de l'entrée, parce que vous avez une entrée S-Video ou RCA et vous avez même du YQV. Donc moi ici, en l'occurrence, je vais utiliser du YQV. C'est ce que j'ai utilisé. Et ça fonctionne vraiment très bien. À la limite, celui qui a envie de quelque chose de très simple et de fonctionnel direct. Ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, le prix, je pense que je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Il me semble que je l'ai vu à 70 euros maintenant. Donc, ça commence tout doucement à grimper, malheureusement. Je vais le remettre dans sa boîte pour ne pas risquer de l'abîmer.
Voilà, la petite boîte, il est fermé, il est clos. Donc là, ça se règle via le boîtier directement, hein, pas que c'est branché. Donc il y a une sortie HDMI et les entrées, je vous l'ai dit, donc RCA, YUV et S-Video, sur du HDMI uniquement. Ensuite, on va passer sur celui-là. Donc ça, c'est MacBazel, c'est un OSSC. Donc simplement un OSSC, qui est vachement connu. Ça vaut 140 euros. Là, c'est vraiment l'inverse du RetroScaler. C'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est super efficace, c'est super compliqué. Il y a énormément de possibilités pour vous rendre un peu compte. Bon, c'est une télécommande un peu générique, mais ils fournissent une télécommande avec pour pouvoir régler un peu tout ça. C'est du bon matos, ça marche très très bien, mais il faut s'accrocher. Il y a moyen d'avoir un super résultat avec ça, mais je trouve quand même que c'est un peu complexe. L'avantage de ça, c'est au niveau du délai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire, buffer, etc. pour le traitement de l'image. Ça balance en direct. Ça analyse et balance en direct. Il n'y a quasiment pas de différence entre en passant par un OSSC ou le signal en direct. Ça, c'est vraiment le gros avantage de l'OSSC. C'est que on n'a pas un frère, on n'a pas quelque chose qui ralentit la fréquence au niveau de la fréquence d'affichage. Donc ici, on a quoi? On a une entrée en RGB, donc Péritel. On a du YUV. On a du VGA en entrée toujours, là le port d'alimentation. Ensuite, on sort en HDMI uniquement. Maintenant, je sais qu'il y a des AV in-out ici. Je pense qu'il y a moyen, je ne suis pas sûr, de rentrer du RCA. Je ne suis pas très sûr parce que je vois AV2 et AV in, là je vois des ports jack. J'ai déjà vu des appareils où c'est, quand vous regardez la prise jack, je vais essayer de mettre une photo, il y a plusieurs bandes noires et en fait, il y a plusieurs contacteurs et c'est des prises, on dirait un petit peu comme pour les smartphones, pour avoir le micro et le son. Donc vous avez le micro, donc c'est une borne pour le gauche, une borne pour le droite, enfin gauche-droite plutôt, mais vous voyez c'était l'inverse, enfin on s'est compris. Donc je pense qu'en fait il y a possibilité de rentrer en RCA là-dedans. Je suis pas plus sûr que ça, mais ça serait pas déconnant. Maintenant j'ai pas essayé parce que j'ai pas essayé de rentrer du RCA dans l'OSSC avec les tests que j'ai effectués. Donc, l'OSSC. Ensuite, c'est de ranger ça correctement quand même. Ça va être une catastrophe. Voilà. Ensuite, encore un emballage. Ça devient vraiment bordel. Ensuite, le scaler suivant, c'est de nouveau MacBazel, c'est la même marque. Qui, eux, donc m'ont envoyé le... C'est un GBSC. Donc, en fait, quand je vous parlais tout à l'heure de ceci... De ceci, c'est plus ou moins le même principe. D'ailleurs, c'est la même chose avec le RetroScaler, hein, c'est plus ou moins le même principe. Si ce n'est qu'ici, on a plus de réglages. Il est aussi bien facile, c'est-à-dire que vous allez brancher, il va fonctionner, il va vous donner un très bon rendu. Mais il y a moyen d'aller un petit peu plus loin. Pas aussi loin qu'un OSSC, mais plus loin qu'avec ce genre de truc ou le RetroScaler 2X. C'est un bon compromis, je trouve. Pourquoi? Parce que aussi, il peut être aussi simple qu'il veut, mais en même temps, il peut être assez complexe. Il y a quand même quelques petits réglages et tous les réglages se font via votre smartphone. Donc, lui, il va dégager un réseau Wi-Fi. Vous connectez sur le réseau Wi-Fi. Vous avez une adresse IP à encoder dans votre navigateur Internet. Et il va vous connecter sur une... Il va vous lancer un launcher. Donc, enfin, launcher, on se comprend, une page Internet. Vous allez pouvoir avoir divers réglages, aussi bien au niveau résolution que filtre, etc. Il est assez permissif. L'avantage de celui-là, c'est que j'ai eu de très bons résultats en capture. Pourquoi? Parce que lui, par contre, il a un buffer. Donc, il prend l'image, il y a un petit délai. Il n'est pas aussi réactif qu'avec le SSC. Mais c'est parfaitement acceptable. Sincèrement, moi, je touche quand même un petit peu ma bille à Street Fighter. Street Fighter 2, notamment. Je n'ai pas ressenti, au début peut-être légèrement, mais à un moment donné, le cerveau s'adapte. On arrive à compenser ce petit décalage qu'il peut avoir. Mais c'est vraiment un petit décalage. Donc, c'est un super appareil. Ça coûte, de mémoire, je crois que c'est 80 euros sur Amazon. Donc, c'est super vu que c'est Amazon. Ben, vous savez, renvoyer, garantie et tout, discuter, c'est vraiment nickel. J'en suis vraiment content, en fait. Donc, vous allez comprendre que je suis un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que, autant j'aime bien l'OSSC parce qu'il permet de faire plein de choses, autant je suis quand même conscient que la plupart des gens qui regardent les vidéos ici, c'est pas, vous n'êtes pas des,
des hardcore pixel perfect machin, vous voulez juste avoir un bon rendu, le meilleur rendu possible sur ce que vous avez comme matos. Le but ici, donc, c'est de vous trouver le matériel qui peut aller un peu plus loin tout en étant facile. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que autant il peut être accessible, autant on peut quand même un petit peu trifouiller dans les réglages. Et ça, c'est sympa. Au niveau des rentrées, bah, on a une RGB, on a une VGA, on a du YQV et bah, c'est tout. Voilà, donc en entrée. Et en sortie, on a du VGA, on a du HDMI, avec une sortie son. Donc, si vous voulez brancher un kit 2.1, comme moi j'ai fait ici, mon kit Logitech, voilà, je peux le brancher là-dessus. Ça, c'est pour les upscalers. Donc, ça fait maintenant quelques semaines que j'essaye de, un petit peu, de temps en temps, vraiment, pas tout le temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps à me bloquer des moments où je prends un écran, je prends les upscalers et je les branche et je vois un petit peu ce que j'arrive à avoir comme résultat. Je vais vous mettre ici une incruste d'un résultat que j'ai eu avec le Mac Bazel que vous voyez là sur un écran plat. Donc c'est sur un écran d'ordinateur 4 tiers CRT. Je vais vous mettre un Terry Bogard là, vous verrez, j'ai trouvé le résultat, il était vraiment bluffant pour c'est pas du cathodique ce que vous voyez là. Donc c'est sur un écran de merde, vraiment. Un écran que la marque, en fait ils ont voulu surfer sur la vague Yama et c'est eux Yama. Voilà. Moi, c'est la première fois que je voyais cette marque-là. L'écran a traîné dans mon grenier. C'est un truc que j'ai récupéré d'une fermeture de société. Donc, moi, je l'ai utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des haut-parleurs et tout de suite, je me disais, c'est sympa. À la base, j'avais branché mon RGB dual dessus. Ça fonctionnait très, très bien. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais brancher ça, je vais regarder. Et j'étais vraiment bluffé par le résultat. D'ailleurs, l'écran, je regarde par là tout le temps parce qu'en fait, il est là. Et je le garde dans mon setup. J'ai mon écran plat 4K qui est au mur, etc. Et à côté, je me suis fait un petit setup avec le RGB dual où j'ai réussi à faire un beau petit réglage. Cet écran-là est vraiment bien. Il n'a pas de ghosting, etc. Il est vraiment, vraiment, vraiment bas. Vraiment bien. Donc, le Mac Bazel, le GBSC, ODV, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Donc ça serait les upscalers qui vont être testés. Maintenant, pour tester tout ça, l'idéal, c'était de tester un écran en ayant à côté un visu sur le rendu le meilleur qu'on peut avoir, donc sur le PVM. Alors, m'est venue alors la question de savoir comment est-ce que je ferais bien pour dupliquer mon signal sans avoir trop de pertes. Et alors, m'est venu ce petit appareil, hein, donc là, que j'ai trouvé sympa. C'est un multipéritel. Ça rejoint la discussion du début avec mes bonnes reach. Un multipéritel qui a 10 entrées automatiques, 2 sorties RGB et une sortie YQV. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais enlever le PVM, je vais bouger le meuble, je vais le retourner, je vais débrancher tous mes bandes reach, brancher toutes les consoles ici. En même temps, j'ai deux câbles, j'ai racheté des câbles de meilleure qualité pour deux consoles ici. Je vais en profiter, je vais remplacer ces câbles-là, ça ne sera pas tout perdu. Parce que l'air de rien, c'est du boulot là, de enlever ça, tout démonter, tout remonter, tout ça pour tester ça, pour tester... Enfin, j'ai beaucoup de temps à perdre. Pourtant, j'en ai pas du temps à perdre. Enfin, soit. On va donc maintenant enlever le PVM, retourner le meuble, regarder pour brancher ça, et alors on fera des tests avec différents écrans. Je vais vraiment speeder pour vous sortir cette vidéo-là, parce que, comme je le répète, les prix, je suis pas responsable de ça. Je sais pas ce qui se passe. C'est en train de grimper en flèche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sorti une vidéo que j'ai pas vue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé du côté des États-Unis un youtubeur qui aurait sorti une vidéo, un gros youtubeur qui aurait sorti une vidéo qui parlerait de ce genre de matos, j'en sais rien, mais les prix sont en train de grimper, donc c'est pour ça que je me dépêche. Il fait 40 degrés ici, pas mal de faire ça en plein été quand il fait bien chaud, il fait caniculaire là. Allez, on y retourne. Alors, une des premières choses à faire, les choses que je vais faire cette fois-ci, que j'avais fait, mais qui n'a pas tenu, j'ai enlevé toutes les étiquettes, je vais refaire des nouvelles étiquettes avec le nom de chaque console, que je sache, en regardant le multi, directement, quelle console est branchée où. Donc, je vais faire des étiquettes que je vais coller là, sur le côté de chaque console, de chaque prise Péritel, de cette façon-là, ça sera plus clair sur le multi. Bon, c'est un peu sombre, mais pour vous rendre compte un petit peu, j'ai coupé tous les colsons, tous les câbles étaient attachés à l'arrière du meuble, à part certains que j'ai laissé les tresses donc pour les éclairages du meuble. Tout le reste, j'ai tout défaire pour sortir toutes les péritelles, enlever les péritelles des bonnes ridges. Bon, ben voilà, alors les bonnes ridges sont enlevées, donc j'étais collé. Hein. On voit un petit peu ici les traces de double face où j'avais utilisé pour
Matt Lebanric. Donc pareil de l'autre côté. J'ai coupé beaucoup de colson. Du coup, j'ai plein de caps par terre. Donc maintenant, je vais refaire. Ce que je vais faire, par contre, cette fois-ci, j'ai acheté du velcro, donc des colsons en plastique, pour comme ça, c'est réutilisable. Donc j'ai passé mon temps maintenant à attacher tous les câbles pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne par terre. Dans tout ça, c'était surélevé avant. Donc le principe, c'est une multiprise qui est là. Tout est branché sur une prise connectée qui, elle, agit avec l'interrupteur que j'ai sur le côté du meuble. Des trucs de chez Ikea. Voilà les deux multiprises. Donc c'est deux multiprises de 10 prises. Savoir qu'on s'en fout un peu parce que je sais bien qu'il va y avoir des gens qui vont dire ça ne va pas de mettre autant de prises, etc. C'est dangereux. Tout est sur un parafoudre. Bon, je ne peux pas vous montrer, malheureusement. Mais j'ai une multiprise avec je suis en train de toucher, mais c'est compliqué là. J'ai pas beaucoup de place, je suis désolé. Pour encore sur parole, écoutez. Voilà, donc ça c'est avec une multiprise avec tout un système de surtension. Pour au cas où il y a une surtension, ça coupe. Même si tout ce qui est prise ici dans mon bureau, j'ai un tableau exprès à côté de mon compteur, donc de mon arrivée de courant. J'ai vraiment un tableau exprès pour l'extension. Donc tout est sécurisé à fond. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais encore une fois, je n'utilise pas les 10 prises en même temps forcément parce que tout est raccordé sur un écran. Donc j'utilise une console à la fois. Donc c'est juste par facilité que tout est branché. Et même ici, il y a aussi... Donc tout est sécurisé. Logiquement, il n'y a vraiment aucun risque. Et tout est raccordé sur les prises connectées. Donc uniquement quand je veux jouer, il y a de l'alimentation sur ces multiprises. Sinon, c'est complètement éteint. Voilà. Et alors au niveau du connecteur avec le dipéritel, donc j'ai passé mon temps à tout câbler. Tout est déjà attaché ici avec un scratch, donc tout ça va être attaché, ça pas, je pense que je vais le laisser là, je vais faire un système de fixation, et je vais le mettre comme ça, de cette manière, moi j'aurai juste à bouger la borne, la borne qui est juste à côté, qui est sur roulette, pour avoir accès à mes connecteurs, si jamais j'ai un problème, donc c'est l'idéal, et ici, donc des câbles YUV, que je vais laisser sur les côtés, ici, pour faire tous mes essais, donc je vais partir de ceci, pour faire mes essais avec les différents upscalers. Voilà. J'en ai chié pour arriver à faire ça, et ça va pas. C'est ça, c'est le pire. Enfin, ça va, mais ça va pas. Ça veut rien dire, ce que je dis. Mais ça me casse les pieds, pour pas dire autre chose de plus vulgaire. Bon, je vous explique. Le multi de 10 est branché. Il est en place, les câbles sont colsonnés, j'ai mis les scratchs, j'étais 100% confiant sur ce que je faisais. J'avais de la confiance dans le matos mal placé, du coup. J'étais sûr et certain que j'allais pouvoir faire mes tests des upscalers et tout avec ce matos-là. Et là, j'ai contacté le vendeur qui fait un petit peu fait la sourde oreille. Donc, je suis assez énervé, on va dire. Donc, j'ai acheté un multi de 10 avec 3 sorties en pensant pouvoir mettre ici une petite table devant. La table est là, tout est prêt. Petite table devant, descendre mon PVM, mettre un autre écran à côté dans le protocole de test, brancher les deux en RGB sur le multi et balancer les consoles avec les différents upscalers et faire des comparaisons avec la caméra braquée dessus. Comme ça, on aurait vraiment eu une idée, aussi bien vous que moi, enfin autant que j'aurais pu le faire avec une caméra, sur la qualité des écrans, ce qu'on arrive à avoir comme qualité d'image par rapport aux upscalers. Malheureusement, ben ça se fera pas. Ça se fera pas parce que le multipéritel que j'ai là, j'avais déjà fait une intro pensant que c'était moi, que j'allais faire des recherches, etc. Mais non, en fait, sur le deuxième signal RGB, il n'y a pas la synchro. Donc moi, le PVM, il m'affiche, c'est une image balaye qui balaye. Et alors comme il n'y a pas la synchro, les upscalers, eux, ils sont complètement aux fraises. Ils m'affichent des bordes de couleurs, donc ça marche pas. Et avec la sortie YUV, donc vert, bleu et rouge, là, j'arrive pour prendre la synchro, donc je reprends la synchro de ces sorties-là. J'arrive à faire fonctionner le RetroScaler 2X, mais l'image, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse dans le sens où elle est complètement jaune. Voilà. Donc ça n'a pas de sens. Moi, l'écran, quand je balance une console dessus, dès que j'étais en test sur un écran CRT, l'image était nickel. Je prenais le RetroScaler 2X, l'image était jaune. Je prends le RetroScaler 2X et j'essaye avec une console comme une PlayStation 2 en YUV, balancer directement dessus sur l'écran, ça fonctionne direct nickel.
Donc, c'est pas un problème de mon rétroscaler, c'est un problème au niveau du multi RGB. Voilà. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que franchement, je m'étais dit, je m'amuse plus à sortir des vidéos toutes les semaines parce que c'est vraiment une prise de tête. Il faut bien se rendre compte que je dénigre pas ceux qui font des tests de jeu, mais on n'en est pas là. C'est-à-dire que je prends pas un jeu, je m'installe une soirée, je joue un peu, je tape un texte et puis je le balance en vidéo. Et après, il y a le montage, etc. Je dénigre vraiment pas ça. Et ici, on est sur un autre niveau de travail, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des aléas. Il faut tout filmer, il faut passer son temps à dépasser les caméras, il faut dépasser son temps à regarder qu'on voit bien ce qu'on veut montrer. Puis après, il faut avoir le matos, il faut démonter le matos, il faut tout remonter, vraiment tout faire nickel. Et après, via le moment du montage vidéo, je suis pas en train de me plaindre, hein, mais je voulais juste expliquer par là que des vidéos toutes les semaines, c'est plus possible. J'ai quand même ma vie, il y a le sport, il y a le travail, il y a la famille, surtout la famille, donc voilà. Et ici, je pensais vraiment, je m'étais dit, avec ça, je vais me faciliter la vie, ça va être génial, je vais taper la télé là, taper les deux écrans, donc j'ai un CRT Trinitron, j'ai donc en écran PC, j'ai un écran plat PC, j'ai un en 4 tiers, j'ai un autre en 4 tiers, mais d'une ancienne génération, j'étais en train de regarder pour acheter une télé plate, 4 tiers de 60 cm, pour essayer de faire des tests et tout là-dessus, pour essayer vraiment de vous donner toutes les cartes et toutes les possibilités pour arriver à avoir un setup chez vous qui pourrait vous convenir et avec un bon rendu pour pas trop cher et qui prendrait pas trop de place. Malheureusement, voilà, c'est compliqué. Ça ne se fera pas comme ça. Ça se fera, mais il va falloir du temps. Donc, je pensais sortir la vidéo là dans la foulée le week-end prochain, voire le week-end d'après, grand max, parce que moi, je suis en vacances. Ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce que je vais devoir passer mon temps à brancher sur un écran. Et puis brancher, se rebrancher là, revérifier, bien prendre le temps de bien analyser l'image, prendre à la limite des photos en essayant d'avoir le meilleur rendu possible sur photo, basculer sur l'écran de test et refaire des tests. Ça va être fastidieux, mais bon, voilà, j'ai pas trop le choix. Si quelqu'un qui voit la vidéo a une idée sur comment je pourrais doubler le signal sortant RGB de mon multi en gardant de la qualité, parce qu'il est bien clair qu'avec AliExpress, quand vous avez du matos comme ça qui déconne, ils vont pas vous proposer de vous renvoyer un... Bon, ça, malheureusement, faut se le chiquer. Donc, heureusement, il fonctionne. C'est-à-dire que l'image est nickel. Elle est même mieux qu'avec les Banridge, dans le sens où elle est plus lumineuse. Mon potard de Brickness, il est en dessous de la moitié. Donc, tout ce qui est contraste, je suis à la moitié. Et l'image, elle est nickel. Donc, j'ai dû diminuer les potards par rapport au Banridge. Je devais booster un peu. Ici, j'ai diminué le tout. Quand j'ai branché la première fois, j'étais un peu surpris par la luminosité. J'aime pas quand l'image est trop lumineuse. Donc, j'ai diminué. Et l'image est vraiment sympa sur mon petit valeureux PVM que j'ai là. Donc, c'est pour la référence. C'est un 20M2. Voilà. Et maintenant, j'ai 11 consoles RGB quand même de brancher dessus. Donc, j'ai pas complètement fait tout ça pour rien. Mais bon, c'était pas non plus l'idée. Pourquoi on se console par rapport à avant, j'étais à 8? Parce que j'ai rajouté la PS2, la Xbox en RGB sur le multi, qui avant était en RCA, et j'ai rajouté le CDI en direct sur le PVM. Et à me dire, pourquoi un CDI en direct sur un PVM? Canal B, j'ai le CDI qui va s'afficher. Donc pourquoi faire, ça n'a complètement aucun sens. Vous avez raison, le truc, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas utiliser ça comme je voulais, dans le sens où mon câblage son est complètement idiot. J'ai fait ça comme un abruti. C'est-à-dire que j'ai repris le son depuis le multi. Donc, je prenais le son des Banridge. Comme ça, j'arrivais à sortir le son stéréo des Péritel, les différents câbles Péritel, ce que je balançais sur mon kit 2.1. Et pour l'RCA, mon kit 2.1 a deux entrées, donc j'arrivais à ressortir le RCA, j'avais taper aussi sur le kit. Donc, je savais avoir le son comme ça. J'avais branché comme ça. C'est complètement débile. Donc, je vais changer ça. Mais là, maintenant, pour le moment, je suis un peu dégoûté. En fait, simplement, le PVM, il a une sortie audio RCA. Donc, je vais utiliser la sortie audio du PVM. Donc, tout le son qui rentrera dans le PVM ressortira en stéréo dans mon kit 2.1, ce qui est beaucoup plus intelligent, en fait. Donc, mais je pense que j'avais tout câblé comme ça parce que si je me souviens bien, quand j'ai fait le câblage, j'avais pas le PVM, j'avais un autre écran, une télévision cathodique classique et il n'y avait pas cette possibilité là. Ici, j'ai la possibilité, donc je ferai le changement. Donc, comme je le disais, 11 consoles en RGB, ça me fait un tout maintenant 23 systèmes que je peux balancer sur ce PVM. 23 systèmes, il faut vraiment m'interner. Comment est-ce que j'arrive à 23? C'est tout ça. Déjà, la Mega Drive, c'est 4 systèmes. J'ai le Mega Everdrive, donc je n'ai même pas besoin du Mega CD, parce qu'il fait fonctionner les jeux Mega CD et les jeux Master System et les jeux Mega Drive, donc ça fait 3 systèmes. J'ai le 3DX, donc ça fait 4. La PS2 avec FreeMac Boot, il y a des jeux PS1 dedans, donc ça me permet de jouer aux jeux PS1, PS2, soit avec ma PS2, donc ça me fait 4 plus 2, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 du coup, 16, 17, 18 avec le Super Game Boy, 19, 20, 21, 22. Et pourquoi 23? Bah parce qu'en fait, ma Duo RX, c'est CD et cartouche. Donc ça fait 23 systèmes sur le PVM. Je crois que là, plus que ça, ça serait complètement fou. Donc on va s'arrêter là. Voilà. Bien écoutez, j'espère quand même que tout ça vous aura été attention un peu utile. Je mettrai le lien du multi en description, comme ça vous verrez de quoi je parle. Et peut-être éviter, si en tout cas l'idée vous venez de pouvoir collecter plusieurs sources d'affichage sur un multi, ça ne remplit pas son office malheureusement. En tout cas, celui que j'ai reçu. Non, j'ai sûrement encore une fois eu la grande chance de tirer le mauvais numéro, j'imagine bien. Mais en tout cas, moi je suis déçu. Je suis déçu parce que je ne peux pas faire mes tests et ça me rend tristesse. Voilà, voilà. Bon, eh ben, désolé pour la vidéo Upscaler, ça va encore attendre. Je vais pas la faire tout de suite du coup. Je vais devoir ou modifier le multi RGB en allant reponter une Saecro. Voilà, je sais pas trop comment je vais pouvoir m'en sortir. Il y a sûrement moyen de faire ça moi-même, mais il faudra que je cherche. Et ou alors ben, faire le protocole de une console là, une console là, donc une PS2 ici, une PS2 là-bas. Mais encore une fois, il y a le facteur risque de est-ce que la sortie est correcte, est-ce que la sortie vidéo de ma PS2 qui est là est la même que la sortie vidéo de la PS2 qui est là, parce que c'est les Slim qui me restent. Donc la Mega Drive 2, ben voilà, c'est une PAL. Moi, il me reste une Genesis en 2, ou alors c'est une 1 en PAL. Je crois qu'il me reste encore une autre 1, mais c'est une PAL aussi. Je n'ai plus. Si la NES, j'en ai une Super NES, j'en ai une N64, j'en ai une GameCube, j'en ai une. Il y a beaucoup de consoles que je pourrais déjà tester en branchant là et avoir l'autre ici sans avoir à débrancher les miennes. Mais bon, vous comprenez, c'était quand même le délire, ça aurait été génial. J'aurais pu vous proposer une vidéo où je mettais le PVM à un écran là. Tous les 23 systèmes pouvoir tester sur les upscalers, ça aurait été magnifique, c'était vraiment le but. Bon, malheureusement, bah voilà, j'espère que je pourrais quand même vous présenter ça de ces quatre. C'était quand même ambitieux, je trouve. D'où la raison de les vidéos tardent avant de sortir maintenant. J'essaye un petit peu de potasser mes sujets quand même. J'ai beaucoup de contenu encore à venir. Je pense au Retro Bright. Ça fait longtemps que je dis que je voudrais bien faire une vidéo Retro Bright. J'ai une discussion, enfin, j'ai pas vraiment une discussion. J'ai lu une discussion sur Facebook par rapport à Retro Bright qui a mal tourné pour Seb Retro. Et voilà, malheureusement, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. J'ai appris à essayer que ça ne m'arrive plus. Mais pour ça, j'ai certaines données que j'analyse avant. Et puis surtout, je travaille dans un milieu contrôlé. Donc, c'est quoi un milieu contrôlé? Vous allez peut-être vous demander. Ben, c'est simple, plutôt que de balancer ça dehors au soleil avec ce qui peut arriver. Moi, je fais ça dans une caisse fermée avec des éclairages où je peux faire varier les intensités. Et tout le bac est rempli d'aluminium pour la réverbération de lumière. Donc, je fais ça en milieu contrôlé, fermé, etc. Et j'ai des meilleurs résultats comme ça. Mais on s'égare. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'arcade, ça sera normalement, si tout va bien, parce que en fait, Mike a fait le boulet en commandant les sticks. Sanwa, il a oublié de commander les petits connecteurs. Donc, du coup, et moi, j'en ai pas. Je n'ai pas à lui donner. Donc, il a recommandé des connecteurs. Donc, tant que j'ai pas les connecteurs, je peux pas terminer les soudures. Donc, elle n'est pas terminée, malheureusement, la borne. Mais ça ne serait tardé parce que je pense qu'il devrait les recevoir cette semaine. Donc, moi, je les aurai dans la foulée le week-end. Et puis, on est parti. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé. Désolé pour le blabla. Ça a été fort long. On se voit dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, ben, portez-vous bien. Ciao.